La voix. Le dôme blanc que vous avez là-bas, apparemment, c'est par là-bas. Non, j'ai pas peur, justement, ils sont là et puis ils sont sur le. Ah oui. Rabanton, le petit perroquet. Pourquoi ça ? Voilà, en prévision de l'orage qu'il y a là-bas, qui est tout noir. Par là. Nous sommes tous ici heureux et fiers. Une nouvelle étape s'ouvrira vendredi, celle du partage de l'aventure de l'Hermione avec nos amis américains. Je suis convaincu que vous saurez la mener à bien avec le même professionnalisme et motivation. Bien cordialement, Bénédicte Donnelly. À la droite. We'll get around the corner. We'll be. Yes. I think the docking pilot will help. It was a better place for your ship. Yes. I think you want to take in the slack on your fourth spring. Moi, je viens plutôt de la montagne et la mer c'est tout nouveau et c'est ça qui est chouette aussi quoi, c'est de naviguer pour la première fois sur un bateau du 18e quoi, c'est chouette, c'est magique, unique. Que je savais pas vraiment, je me suis embarquée dans l'aventure sans vraiment savoir l'ampleur que ça allait prendre. Et en fait, c'est au fur et à mesure, quand on arrive, c'est vrai qu'on voit un enthousiasme des gens. Enfin, et puis, ils nous regardent, surtout les enfants, quoi, avec des yeux pleins d'étoiles. Et c'est vrai que c'est petit à petit, finalement, que je me rends compte de l'ampleur du phénomène. Quoi. Mais on a embarqué dans quelque chose de grandiose, au final, quoi, puis qui a atteint les États-Unis, la France, et ça, je n'avais pas vraiment conscience au début, enfin un petit peu, mais bon, pas à cette échelle-là, quoi. C'était dingue de se rendre compte que la traversée était finie au final. Enfin, pour moi, c'est passé comme ça, quoi. C'est passé en un éclair et de voir la Terre, c'était. Je sais pas, c'est une sensation particulière parce qu'en même temps c'est bizarre parce qu'il y a un petit moment de nostalgie aussi parce qu'on sait que certains gabiers vont débarquer quoi. Donc en même temps il y a l'enthousiasme, il y a un petit peu la nostalgie de la fin d'une étape parce que ça s'ouvre sur autre chose maintenant. On va arriver aux visites, tout ça, on va rencontrer, on va avoir tous ces entre guillemets étrangers, enfin visiteurs qui vont arriver alors qu'on était entre nous quoi. Donc ça va changer un petit peu le mode de fonctionnement du bateau. C'est carrément une autre étape de l'aventure, mais bon, c'est chouette aussi, ouais. Ça va être une autre expérience. Aujourd'hui, on est tous avec nos iPhones, tous les jours dans la vie, connectés en permanence, on a la famille, les amis, enfin voilà. Et le fait d'être loin de tout, c'est une sensation qui est énorme, quoi. Et ça nous a énormément soudés entre gabiers, je trouve aussi, nos petits moments, voilà, les petits moments musique sur le point d'y aller avant, au coucher du soleil, enfin,
tous ces plein de petits moments où en fait où on vit vraiment l'instant présent, je trouve, qu'on a rarement l'occasion de vivre actuellement, je trouve, de vraiment se poser et se dire bah ouais, je suis là au milieu de l'Atlantique, et de profiter quoi, voilà, profiter de l'instant présent, ça c'était chouette.